Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Teso Orsinium. Donc, alors, j'ai échoué à passer discrètement. On doit libérer un chef du... des Voshrak. Je dois aller discuter avec Evely, que j'ai eu du mal à trouver. Vous m'avez trouvé. Je savais que vous y arriveriez. Vous avez aimé la piste que je vous ai laissée? C'était facile. Se cacher, tirer une flèche, avancer, recommencer. Et j'ai réussi à rester caché tout du long. Eh bien, dans les grandes lignes, la dernière fois, j'ai failli me faire capturer. Je m'en suis fait des feuilles blanches, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis cachée ici en attendant votre arrivée. Ça se passait beaucoup mieux dans ma tête, à vrai dire. J'ai découvert que la forteresse contient une sorte de grande prison. Mais je ne sais pas où elle est cachée. Je ne vois rien qui ressemble à une prison. Oh ! J'ai appris quelque chose pendant que je triais mes flèches et que je vous attendais. Quelques membres des Voshrak se disputaient. L'un des deux est parti d'un air fumasse vers le surplomb. Il avait l'air mécontent de la secte. Nous pourrons peut-être lui arracher l'emplacement des cellules. S'il ne donne pas l'alerte à toute la forteresse, bien sûr. Les fanatiques sont très bavards. Si nous les écoutons, nous apprendrons peut-être quelque chose d'utile. Ou alors, on peut fouiller les bâtiments au petit bonheur la chance. D'une façon ou d'une autre, on ferait mieux de se séparer. On se retrouvera quand on saura quelque chose. Si vous découvrez quelque chose d'utile, retrouvez-moi derrière la grande salle. Et essayez de ne pas donner l'alarme. Plus tard, les Voshrak se rendront compte de notre présence, moins ils auront de chances de se mettre à massacrer des prisonniers. Maintenant que vous en parlez, les Voshrak sont assez bien équipés pour une secte de fanatiques. J'ai vu des armées moins bien équipées qu'eux. Vous pensez qu'une des alliances pourrait financer les extrémistes? Autant j'aime l'aventure, et autant je déteste la guerre. Mon clan a refusé de s'impliquer dans tout cela. Je n'ai jamais voulu m'incliner devant une reine haute elfe qui méprise nos coutumes. Mais bon, je viens d'un clan de forte tête. Aïe. Payser la prison cachée. Bon, j'essaie d'y aller en fufu. Pour éviter de perdre trop de temps. Je crois que c'était une clé. Voilà.
Ok, bon. Guerre de la forteresse de Faron. Bon. Les joues, Evelyne, les joues. Vous avez appris quelque chose au sujet de la prison? J'ai trouvé des renseignements intéressants, mais rien d'utile pour le moment. Sous terre? Comme un donjon? Vous n'imaginez pas que je vais prendre une pelle et me mettre à creuser. C'est pas mon genre. Un puits? Ah oui, j'ai vu un vieux puits. Il va nous falloir une corde pour descendre, cela dit. Allez voir près de la forge. J'ai remarqué des outils et des cordes. Ça devrait nous aider. Je suis contente que vous soyez revenu. Il commence à faire froid. Enfin, je ne sais pas comment les orques et les nordiques font pour supporter ça. Vous avez trouvé une corde? Elle était bien là où j'avais dit. Je savais que je pouvais compter sur vous. Suivez-moi. Je vais attacher la corde et la faire passer dans le puits. Venez, le puits est par ici. Je vais continuer à fureter par ici, pendant que vous allez dans la prison. C'est bon, la corde est attachée. Bonne chance là-dessous. J'espère que vous trouverez la prison. Oui, bon, bah...
des bananes. Bon, je vais arrêter de ramasser. Ah oui, il y a peut-être des pièges. Il y a peut-être des pièges ou choses. Vous pouvez pas faire mieux. Ma mère tape plus fort que ça, et pourtant elle est morte. Ah.
vais finir par croire que vous avez le béguin pour moi. Oh. Oh, le chien d'attaque de Kurog repointe le bout de son nez. Vous venez vérifier que je suis toujours prisonnier, ou simplement m'égorger? Alors qu'est-ce que vous attendez? Finissons-en. À moins que ce genre de travail ne vous dégoûte. Kurog vous envoie tuer le chef capturé, mais sans vous prévenir que c'est moi. C'est tout lui, ça. Eh bien, ces satanés cultistes n'ont pas réussi à me tuer. Les évader non plus, alors. Ne vous faites pas d'illusions. La prêtresse de Trinimac. Elle est comme ces imbéciles qui m'ont attaqué et enfermé ici. Ils ont libéré mes prisonniers. Et ils se sont amusés à les laisser me torturer. Mais je suis encore en vie. Ça leur apprendra. Mais de quoi parlez-vous? Après mon départ d'Orsinium, je suis rentré ici, et ma forteresse venait de tomber aux mains des Voshrak. Depuis, je suis prisonnier dans mon propre donjon. Je n'ai certainement pas eu le temps de faire quoi que ce soit au temple. Super, j'adore les admirateurs. Mais je n'ai rien à voir avec eux ou avec le temple. Bon, vous voulez discuter ou on s'en va? Je suis blessé au bras, alors je ne peux pas grimper. Il va falloir trouver une autre issue. Oh que oui, mais les défenses de la prison sont encore actives. Ça ne va pas nous faciliter la tâche. Heureusement pour vous, je suis là. Nous devons d'abord atteindre la chambre du mépris, là où nous gardons les prisonniers les plus dangereux. La chambre est protégée par du gaz empoisonné. Si nous avons des ennuis, vous devrez faire avec. Avec mon bras blessé, je ne suis bon à rien. Ok, donc c'est Bazraï. Bon bah c'est parti. Fichu porte. Je les avais complètement oubliés. Ces maudits ingénieurs, toujours à ajouter des améliorations. Bon, pour vous tenir au courant, si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, on est morts tous les deux. Je ne dis pas ça pour vous inquiéter, mais je trouve plus honnête de vous avertir. Je dois tourner les interrupteurs manuels dans le bon ordre pour ouvrir la porte de la salle suivante. Mais c'est la salle du mépris. Elle a été créée pour enfermer nos prisonniers les plus dangereux, alors ce ne sera pas simple. Dès que je commencerai à ouvrir, du poison remplira la pièce et la porte des cellules va s'ouvrir. Je vais tâcher de faire vite, mais avec mon bras blessé, je suis ralenti. Gardez les prisonniers à distance et évitez le gaz. Vous mourrez d'une mort lente et douloureuse. Intéressant, non? Finissons-en. Une fois que j'aurai tourné ce levier, nous ne pourrons plus nous arrêter. Prépare. Je tourne le premier levier. Maintenant! J'aurais dû garder mon ulti, moi. Ça va être chaud. Putain, ça va être chaud. Putain, faut repartir de l'entrée à chaque fois. Non, mais c'est pas sérieux cette histoire. Je vais regarder à tout hasard. Un parchemin d'expérience. J'ai pas repartir en fait. Chier.
bien arrangé d'avoir ça. Pourquoi ils font pas reprendre directement dans le truc quoi. Ah ouais, le poison là, il est sorti d'un côté en fait. Oh putain. Ah mais ça va être la merde là, contre deux hommes, moi je fais quoi. Putain, je peux en faire un à la fois, sérieux. Ok, donc... L'autre est resté là-bas. Putain ! Ah mais je... Putain! Oh, fais chier! On peut se focaliser d'abord sur l'ogre noir parce que c'est lui qui guérit. C'est le guérisseur. Et ce qui est relou, c'est que l'ogre noir reste dans le poison, donc je peux pas aller vers là-bas. Bien penser le truc pour que ce soit bien casse-burre. Bon. Pas le temps de me défendre. Ah, c'est pas mal.
Impossible ça! Putain! Je vais pas bloquer sur deux ogres, sérieux! Oh, ça m'énerve! Non! Fais chier, j'y suis presque à chaque fois! Putain! Putain, à chaque fois, j'y suis presque là! Plus l'ogre noir, il a l'air d'être plus vulnérable. Sa vie diminue plus vite que l'autre. Si j'arrive à le tuer, après il restera juste le blanc et je pense que ça pourra le faire. C'est mort, tant que j'ai pas mon ulti, je pourrais pas passer. Fais chier. D'ailleurs, pourquoi il se régénère pas ce putain d'ulti de merde là? Ah, j'ai obligé de faire ça en. Putain, en plus ils te font reprendre de là, ces connards. Je veux pas te faire reprendre directement du truc. Allez, mais crève du con! Putain, mais crève-le! Ah, y'a l'autre qui le tanque, ça me saoule! Putain, il est mort. Ah,
Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il est mort, il y a moyen. Putain, mais j'ai plus de magie. Oh putain, j'allais lui asséner le coup de grâce. Fais chier. Oh putain, j'ai... Eh, j'espère que le noir il est resté mort, parce que franchement... Attends, j'ai niqué mon ulti dessus et tout, là... Putain, c'est pas possible, ça... T'es obligé de les faire en mode élite, là, franchement. Ah, c'est bon, il n'y a plus que celui-là. C'est bon, s'il n'y a plus que celui-là, j'ai plus besoin de me concentrer sur l'autre. Normalement, c'est gérable. Encore deux ogres, encore... Des trolls, allez. Sont plus faciles que les autres. Hein. Bon travail. Et les choses vont se compliquer. C'est fini encore. Viras le rouge. Ah ouais, d'accord, ok. Viras le rouge. C'est un vampire, ça, je crois.
Ah, je me suis écarté de la zone là, arrête ça. Bon, ça c'était deux mal à quatre. Bon, le plus dur, ça restait quand même les ogres. Les ogres du début, c'était galère. Bienvenue dans la salle des pointes. Si nous n'y étions pas prisonniers, je serais très fier de sa création. Vous voyez ces valves sur le mur? J'ai besoin que vous tourniez les trois. Mais attention aux pointes. Eh bien, pas exactement. Ces ingénieurs hors de prix que j'ai engagés ont construit des chronomètres de contrôle. Si vous ne fermez pas les valves assez vite, le piège se réinitialise. Nous l'avons construit pour empêcher les évasions, vous vous rappelez? On n'est pas censé l'ouvrir facilement. Attention aux pointes. C'est du métal renforcé et très affûté, et peut-être enduit de poison aussi, selon la dernière fois qu'on a fait l'entretien. Si vous vous faites embrocher par deux ou trois pics, adieu mon hors-cœur. Les pics ne sont pas aléatoires. Si vous observez le mouvement d'ici, vous pourrez repérer leur rythme. Ils changent tous les jours, alors je ne connais pas la séquence actuelle. Mais rappelez-vous que si vous tardez trop, le piège se réinitialise et vous devez tout recommencer. Putain. Il va falloir que je retraverse tout. Ah, il faut que je retraverse tout. Mais on chope, putain. Ça me fait ralentir en plus.
fait chier. Mais putain, mais recule, abruti! Ah, mais parce qu'il y en a derrière! Oh non, mais ils sont sérieux! Eh bien, pas vraiment réussi, hein? Vous avez un hors-cœur à la course, c'est ça? Mais le temps de l'animation aussi, ça me nique. Mais non, là j'étais entre les deux. Mais non, mais aussi, mais non, mais vas-y. J'étais entre les deux, putain. Putain, puis ce marteau de merde, là, range-le. Putain, ça me ralentit cette merde. Oh là là, je sais pas en combien de temps je vais passer ça. Ça va être le bordel, les amis, là, je vous le dis. Ça va être le vrai bordel. Je pense que la vidéo sera finie, que j'en serai toujours là. Putain. Non, en plus, ils auraient pu quand même faire reprendre au début de la pièce. Là, je suis obligé de me retaper tout le passage à chaque fois. Putain, mais vas-y, va sur le sol. Non, déjà, je vais désactiver le familier parce qu'il me déconcentre. Sérieusement, c'est où cette merde? Familier pacifique. Allez, rentre chez ta mère. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà, en fait, le problème, c'est que... Putain, puis le temps qu'il jette le sort, le temps que truc... Non, mais c'est pas possible. Ça va être impossible, là, franchement. Puis à chaque fois que je lance un sort, il sort l'arme. Du coup, ça le ralentit encore plus. Bien. J'ai pas vraiment réussi, hein? Vous avez voulu battre un hors cœur à la course, c'est ça? Non, les critiques, c'est toi, c'est lui qui a installé ses pièges à la con et c'est lui qui vient me casser les couilles. Ah, hop, il prend bien son temps. Mais putain! Oh le con! Mais non! Bah vas-y, vas-y, vas-y. C'est mort, c'est mort. Vas-y, prends ton temps! Prends ton temps! Va encore moins vite! Voilà, voilà. Ouais, non, ouais, c'est mort, ça va être... Mais non, mais c'est mort, il va à deux à l'heure, comment je peux faire? Cœur à la course, c'est ça? Et l'autre? Je vais te laisser crever dans ta prison de merde. C'est pas possible. Il y a une potion d'invulnérabilité, il y a quelque chose pour ce matin, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Ouais, la technique de la, du roulé-boulé, peut-être, je connais. C'est vrai que j'ai pas pensé. La technique du roulé-boulé. Eh bien, je n'ai pas
Ah, à la limite, j'ai peut-être un plan. Je sais pas si ça va marcher. Je suis plus fort. Ah non, quand j'ai voulu tester, mais ça... J'ai voulu tester, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je pensais en fait, pour explication hein, quand même, je pensais qu'étant donné que sous la forme du colosse d'os, oui c'est ça, du tyran d'os, du colosse d'os, comment ça s'appelle, étant donné que je suis plus, normalement je suis plus résistant, je pensais que ça pourrait peut-être le faire. Malheureusement, non. C'est pas comme ça que je vais réussir à les couiller. Ouais, non, mais si en plus, au lieu d'appuyer, il saute. Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Putain! Oh putain, j'ai foiré, mais non! Mais non! Oh là là, j'y étais là, putain! Oh, c'est abusé! Mais quel est le con qui a fait cette quête? Putain, il prend son temps! Ils prennent le temps de l'animation! Putain, je peux pas! Bon, voilà, c'était sûr. Oh là là, je vais laisser tout mon équipement! Putain! C'est pas possible! Je croyais que les deux ox c'était le pire, mais là... Ah ouais, non, là c'est la merde, c'est un truc de fou. Il n'y a pas un ordre au moins, parce que... Non, je crois qu'il faut tous les désactiver rapidement. Mais... Putain. Putain. Mais c'est pas possible. Ah, nouvelle récompense journalière, non? Oui. Ah! Je me tâte à en prendre un, hein, franchement. Bon, je vais quand même réessayer. Putain, mais c'est pas possible. Bon, je vais changer de tactique. Mais non, mais... Sors de là, bordel de merde. Ah, je lui dis, ouais, le rythme... Mais c'est mort. C'est mort. Le temps qu'il fasse tous les gestes, c'est juste pas possible. Ou alors faut pas se soigner, quoi. Bon, je vais prendre un repas fortifié en couronne, on verra si ça passe. Euh...
Putain, mais quelle merde ce truc! Bon. Alors. Ah ouais, non, mais bon. Putain, même avec un repas fortifiant. Même avec un repas fortifiant, c'est pas possible. Là, ce qui aurait été intéressant, peut-être, c'est d'avoir des pierres d'âme. Quoique j'ai des pierres d'âme, mais j'aurais pas pu. À moins que quand tu sois en mode fantôme, ça marche. Putain, mais qui c'est qui a eu l'idée de cette quête tordue, quoi? Développeur de chez Bethesda, des fois, je te jure. Ah, ce qui dit suivre le rythme de la, des flèches. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs rythmes. C'est chaud. Pas possible. Attends, là je suis sorti, arrête de. Laisse tomber, il bug. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fout ? Vous êtes tout seul ? Pas mal. Encore un effort et nous serons sortis de là. Ah, ça y est ? Ah bah écoute. Je sais pas. Bah écoute, là je pense que vraiment le pire est passé. Voilà. Ah, quand il a dit truc, j'ai cru que ça s'était encore une fois réinitialisé. Et que c'était foutu. C'est bien que j'ai pas la plus. Ça aurait pu être intéressant, mais bon, tant pis. Tant pis, la forteresse de Farou. Putain!
Ah non, le truc des épiques, là, des épines, c'était tordu. Hein. Le problème, c'est le temps de l'animation, quoi. Le temps de l'animation, il est tellement trop long. Je sais pas, le hasard a voulu que là je le passe, tant mieux. Ce sera ça en moins. Ce sera ça de moins à faire. Enfin, c'est agréable de respirer un peu d'air frais. Donnez-moi juste un instant pour reprendre mon souffle. Je refuse de quitter une prison pour entrer dans une autre. Si vous comptez m'amener à Kurog, ne vous faites pas d'illusions. Je préfère mourir ici avec mon clan que de revoir le visage goguenard de Kurog. Ça non, alors. Si vous avancez, je vous éventre. Un coup de poignet et je tapisse le sol avec vos tripes. Et maintenant, dites-moi pourquoi Solgra vous a envoyé ici. À quoi joue Kurog cette fois? Mon bras va très bien, mais je ne pouvais pas sortir de prison tout seul, alors je ne voulais pas vous tuer en bas. Je répète ma question. Que faites-vous ici? Pourquoi Solgra voudrait-elle m'aider? Ah, je comprends mieux. Kurog veut sauver la face. Il ne faudrait pas qu'un chef rival meure aux mains des fanatiques qui vénèrent le même dieu que lui. J'y vois plus clair. Moi et des Kurog, où était notre prétendu roi lorsque mon clan était à la merci des Vosrak? Où était-il quand on a laissé à mon clan le choix entre mourir ou servir cette secte? Combien de fois va-t-il falloir vous répéter que je n'ai rien à voir avec ça? Si vous voulez connaître la vérité, allez voir Ulsha. Je lui ai ordonné de fuir pendant l'attaque. Elle a dressé son camp hors des murs de Farun. Elle vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Chef Bazrag, déposez les armes. Je vous en prie. Je ne tiens pas à tirer cette flèche. Mais je n'hésiterai pas si vous ne vous rendez pas. Maudit elfe des bois! Bon, vous feriez mieux de m'abattre plutôt que de me livrer à Kurog.